Yo les crocs, c'est Toshikro, bienvenue aujourd'hui sur Mind Ace pour la suite, donc la deuxième partie. Écoutez, on avait plutôt bien kiffé et bien flippé sur la première. Pourquoi pas faire la deuxième partie et essayer de finir ce jeu? Écoutez, c'est parti. Donc là, si je me souviens bien, nous devions récupérer 3 PC et les activer avec une espèce de zombie chelou qui nous poursuit, c'est ça hein. D'ailleurs, j'avais bien flippé à la fin de la première partie. Bref, c'est parti. Voilà, on est arrivé ici. Ok, c'est parti. C'est le moment. Oh là là, le gros labyrinthe. Ah, gros labyrinthe de ouf. Ça commence direct, les crocs. D'accord. Du calme. Du calme. Pour lolololololololol, ça va être super. Ah, il y en a là. X. Ah, d'accord, faut rester appuyé sur X. Putain, c'est horrible. Ok, de 1 et de. Ah là là. Oh, il y en a combien? Il y en a combien? Oh merde. Je suis mort. Voilà. Première mort. Ok, c'est pas grave. J'ai le temps, j'ai tout mon temps, monsieur le monstre. Oh là là, il est là-bas. Vite. J'ai tout mon temps. Ok. Ah, c'est bien, ça sauvegarde par contre. Cool, on n'a pas à faire les deux autres. On n'a pas à refaire les trois. Vu qu'on en a trouvé un, il nous le compte. Ça, c'est sympa. Ok, donc, bah, plus que deux du coup. Donc, ça, c'est celui que j'ai chopé. Putain, je suis vraiment nul. Non. Salopard. Oh oui. Allez, P, putain, et sous de ma gueule, c'est plus X maintenant. C'est bon, allez, je vais mourir là, je m'en fous. Je m'en fous de mourir, viens. C'est horrible. Ta gueule, oh. Oh. Oui. Tu l'as dans le cul. Ok, on a à 3. Good. C'est pas... Merde. Oh oh. Ah. Oh putain, on est revenu chez nous. Oh merde, on est revenu chez nous. Enfin, ah merde, tant mieux dans un sens, tant mieux en fait. Ok. Oh putain, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. J'en pouvais plus. Alors, on a toujours pas le code. Nous n'avons toujours pas le code, les causes. Oh, regardez le cadre, il a changé. Le cadre a changé de tête. Oh lolololol. C'est de pire en pire. On va rallumer toutes les lumières. D'ailleurs, est-ce que je peux prendre cette fois le... Attendez. Est-ce que je peux prendre cette fois ce truc-là? Non, je peux toujours pas. Hein. C'est vraiment chelou, ça. La porte-là est toujours bloquée. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui a changé depuis la première partie. Oh, la vache! Il y a une lampe qui vient de péter. Oh, non! Pas deux! Non, deux, c'est trop. Non, trois! Trois, c'est encore pire! Oh, non, 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 non. Pas celle-là, s'il vous plaît. Pas celle-là. Je vais fermer la porte là. Pas celle-là. Oh putain. Il y a une chaise qui vient de bouger ou de péter, je sais pas. C'est un peu le même bruit. What the fuck is this shit? Un pied de biche. Le crowbar. On peut pas la prendre. Le crowbar and knit its well dead unto the chain. Elle est attachée à la chaîne en gros, d'accord. Donc en gros, c'est... Ah, mais oui, la chaîne, mais oui. Chaîne égale, pince à chaîne, les crocs. Voilà, cette fois, on peut la prendre. Yes. On l'a? Du coup, on va aller péter la porte en bois ici. Là. On va la péter. Yes. Ah, c'est bon, ça, regardez-moi, c'est une petite salle de torture. Comme on les aime. Une clé. Ok, good. Notre maison est vraiment étrange. Hein. Je sais pas pourquoi on avait des trucs dans ce genre. On a chopé une clé. Alors peut-être la clé de la sortie. Enfin, de la porte de... Non. Du coup, c'est peut-être la clé du coffre-fort. Non plus. Ah, la clé de la porte verrouillée. Oui. Que suis-je bête, cette porte-là. Elle est verrouillée depuis le début du jeu. C'est parti. Eh ben non. Eh ben non, je ne peux pas l'ouvrir. Pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Bon, retourne voir, vie. Retournons voir. Ah! J'allais dire retournons voir dans cette salle de. Putain. Vite. Oh le con, je peux plus allumer. Je peux plus allumer les lumières. Ah! Bien joué! Oh putain, il y a des chaînes de partout qui pendent maintenant. What the fuck? C'est quoi ça?
Ok, Croze. Pas de panique, je contrôle la situation. Comme toujours. merde. Ok. Je ne peux pas allumer les lumières. Ah ! Putain, mais mets pas dans le noir au moment où il y a un bruit, bordel ! Est-ce que cette porte vient de s'ouvrir ? Non. Il y a eu un bruit de porte. Ah, le con. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière ce coffre, en fait, parce que le but du jeu, c'est de l'ouvrir, hein, quand même. Je tiens à le préciser. Non, pas être... Non, pas être trop sonneuse ! Tu vas pas me faire ça ! Oh là 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 là, c'est horrible. Enculé ! Enculé ! Enculé ! Désolé. Je suis grossier, mais là... Putain ! Ah, merde ! Ah, j'ai plus de... Ah, une note, une nouvelle note. Hey Tom, it's your mother here. C'est ta mère ici. I just wanted to see how you were... Ding, je sais pas. The doctor said that your coma is not so bad and that you should be up soon. I hope they are right. I hope you're reading this right now. I just wanted to let you know that we never lost hope. D'accord, donc nous étions dans le coma et le docteur nous a dit qu'on allait se réveiller. Donc notre mère nous a écrit une espèce de lettre d'encouragement, enfin pas vraiment d'encouragement, mais d'accueil. Enfin c'est chelou. Ah, mais on était dans cette pièce tout le temps. Attends. Ici c'est la pièce qui était fermée depuis le début du jeu. Vous êtes d'accord, hein? Donc il y a toujours les chaînes, il y a toujours les chaises. Alors est-ce qu'on peut ouvrir le... Putain, on peut toujours pas ouvrir le coffre. On peut rallumer les lumières. Ouais, ok. Alors attends, j'essaie de comprendre là. Oh. Ok, la pièce a encore changé. Bon, écoute, on va rentrer. Ça a encore changé, bordel. Vite, une porte. Oh, non. Space to jump. Ah, on peut sauter, putain, je savais même pas. Wow. Non, je vais jamais y arriver. Oh non, pas ça. Non, s'il vous plaît, pas ça. Oh là là, mon dieu, ça va être horrible. Oh putain, ça va être horrible. Bon, on se retrouve dans 30 minutes, les crozes, le temps que je finisse ça. Oh putain, je déteste ce genre de truc. Oh non. Non, clairement, je vous le dis, clairement, ça va être hyper chaud, là. Et ça va être genre super méga hard, hein. Je suis vraiment pas doué pour ce genre de bordel. Oh, en plus, c'est mal foutu! Ah, j'ai compris, en fait, il ne faut pas... Ah, j'ai compris! En fait, il faut pas courir. Il faut juste marcher tranquillement. Oui, oui, oui. Finally in your grasp, isn't it? Your consciousness. On est bon! Just right there. Il y a une lumière, là, on va... Le jeu d'horreur se transforme en jeu de... Ah ! En jeu de plateforme. C'est bon, on a réussi. Je suis à la lumière. Press E to obtain your conscience. Ah, du coup, je vais peut-être vraiment me réveiller cette fois, vu que nous étions dans le coma. Je sais pas. Tom. Très intéressant, en tout cas. Tom, you wake up? Don't get to decide when you wake up. That's my job. And you still have quite some ways to go. What? You think this was bad? You have no idea what's coming. And oh non. Bon, bah écoutez les crozes, on a fini Means Haze. Alors qu'est-ce que j'en pense? Vous posez peut-être la question. Qu'est-ce que j'en pense? C'était un très bon horror game, j'ai adoré. J'ai terriblement flippé sur ce jeu. Encore une fois, il est gratuit, les crocs. Je vous laisse checker le lien dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger totalement gratuit sur Steam. Profitez-en. Alors, je regrette un peu qu'on n'ait pas pu ouvrir le coffre. Peut-être qu'il y avait un code à choper dans la maison que je ne l'ai pas trouvé.
C'est assez dommage, on ne saura jamais ce qu'il y a derrière le coffre. Donc, ouais, pour conclure, on était dans le coma, pour moi, hein, pour ma part, de ce que j'ai compris. Ah ! Donc, nous étions dans le coma. Et je sais pas ce qui s'est passé, on a rêvé, je sais pas. Écoutez, si vous avez compris l'histoire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir l'histoire et ce qui s'est passé, j'ai pas tout compris. Bref, on a un score ici. Total game, 22. Alors j'ai joué pendant 22 minutes au jeu. Total death, je suis mort 8 fois. J'ai collecté un Teddy sur 5, c'était le premier qu'on a eu. Donc au début de la première partie, on avait chopé un ours. J'en ai eu qu'un pour finir. Total match light, 39. Ah, et nous avons allumé 39 allumettes. Score total 7556. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Sur ce, les crozes, si vous avez apprécié ce petit let's play sympathique sur MineEZ, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains horror games. Sur ce, portez-vous bien, les crozes, et je vous dis à très bientôt.